Vous n'êtes pas sans savoir que notre bibliothèque patrimoniale est fermée pour cause de travaux. Nous voulons absolument la rénover et qu'elle soit vraiment en ordre de marche comme elle le doit. Mais nous n'avons pas abandonné pour autant nos expositions. Alors en 2021, nous avons organisé une exposition qui était virtuelle à la bibliothèque, physique à la Maison Bonaparte, donc en collaboration avec la Maison Bonaparte, une exposition dont l'intitulé était « Les Bonapartes et l'Antique, un langage impérial ». Eh bien, nous avons bien entendu, au sortir de cette exposition, réalisé un catalogue. C'était Monsieur Jean-Marc Olivez, conservateur général du patrimoine à la Maison Bonaparte, qui en était le commissaire de l'exposition. Et donc, ce livre, nous l'avons présenté au Festival international du livre insulaire à Ouessant et nous avons été primés dans la catégorie du livre scientifique. Dans ce grand salon international qui a lieu chaque année à Ouessant, qui réunit tout un monde littéraire, aussi bien les libraires que les éditeurs, que les auteurs bien évidemment, mais des associations culturelles aussi. C'était cette année la 24e édition. Je précise, 50aine d'ouvrages en compétition. Et c'est quand même le nôtre qui a été distingué. Alors nous sommes d'autant plus fiers de cette distinction.